Amen, bonsoir frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de ces mi-semaine du jeudi 24 juin 2021. C'est un privilège que je reçois de la part de Dieu. Et maintenant, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour la prière, mais également pour les annonces. Avant toute chose, lisons le psaume 90, verset 12, ou si vous voulez, psaume 90, le verset 12. Lisons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Laissons notre tête et prions. Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité, Dieu, que tu nous donnes, Seigneur. Nous rapprocher de toi en ces instants, c'est un privilège. C'est une grâce, Père. Merci, toi, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, les cieux, la terre, et tout ce qui s'y trouve, mon Dieu, mon roi. Nous venons humblement cet après-midi au devant de ton trône de grâce pour reconnaître, Seigneur, notre faiblesse, te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui t'a blessé, qui t'a pas honoré, Seigneur. S'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur et moi. Sanctifie-nous, Seigneur Dieu, lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus. Merci pour le pardon, merci pour la sanctification. Seigneur, nous voulons recommander toutes les étapes de ce culte entre tes saintes mains. Chaque intervenant, Seigneur Dieu, entre tes saintes et puissantes mains aussi. Merci également, Seigneur Dieu, pour le frère et sœur qui suivent ce culte présentement, Seigneur. Merci également pour ceux-là qui vont arriver quelques instants après, compte tenu de la perturbation par moment de réseau. Dieu, tous ensemble, nous voulions être devant de toi pour apprendre et être enseigné de toi. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu, notre Fils Jésus, notre Seigneur, sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, voici rapidement le plan du culte. Après la prière d'ouverture qui vient d'être dite par moi, eh ben, nous allons laisser place à la chorale, le chant et l'adoration. Après, je reviens pour les annonces et le message du jour sera prêché par l'évangéliste principal, Moses Gad. Et je reviendrai pour la clôture, prière de clôture, évidemment, avec les rappels des anges. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans limite parce que Dieu est sans limite. Il n'est pas limité dans le temps, dans sa capacité d'agir, dans sa puissance, ni dans son amour. Il n'y a pas une journée où Dieu nous aime moins et une autre où nous aime plus. Non. L'amour de Dieu pour nous est juste infini et sans limite. Alors ce soir, approchons-nous pour célébrer cet amour dans chaque instant de notre vie. Son amour est là. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Mon love, mon power, more of you in my life. Ton puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Alors l'amour de Dieu pour nous est sans limite. Sans limite dans nos vies. Amen. Alors frères et sœurs, 2021, nous l'avons dédié entre les mains de Dieu et nous l'avons intitulé l'année de l'utilité. Frères et sœurs, vous savez, nous devons tous fournir beaucoup d'efforts pour que chacun de nous soit utile à Dieu, à son maître, et aussi utile aux frères et sœurs, bref, à l'Église. Donc, fournissons tous nos efforts pour que nous soyons vraiment utiles pour la gloire du Seigneur. Alors, rapidement, demande de prière, nous devons continuer à prier pour la paix, la sécurité en RDC, la pandémie à COVID-19. Prions également pour le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre COVID-19, personnel soignant, médecins, infirmiers et infirmières, techniciens et techniciennes frères et sœurs et le personnel administratif dans les hôpitaux. Nous avons la liste de malades. Elle est tellement longue que frères et sœurs, nous avons le nom devant nous. Prions, prenons le temps de prier pour chaque cas qui est affiché sur vos téléphones ou vos ordinateurs et pourquoi pas même sur vos postes téléviseurs. Alors, pandémie à COVID-19, frères et sœurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce qui est sûr, frères et sœurs, nous devons respecter, frères et sœurs, le geste barrière renforcé édicté par les autorités tant sanitaires que gouvernementales et précisément le gouvernement provincial. Il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de recommandations, mais si nous voulons échapper aux amendes et aux infractions, respectons ces gestes barrières. Lavage fréquent de mains avec du savon ou désinfection avec gel à base d'alcool. Ne pas se toucher le visage, éternuer dans le creux de son coude, éviter de serrer les mains et les accolades, port correct et obligatoire du masque en lieu public, distance sociale d'au moins 1 mètre, et ben, lorsqu'il y a un malaise, lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous sommes priés de se faire tester et au cas où nous sommes positifs, frères et sœurs, volontairement, faisons-nous confinons-nous, ça serait un geste responsable. Alors, frères et sœurs, pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Père, merci pour tous les sujets que nous venons de citer. Père, nous avons besoin de ton assistance. Aide-nous à respecter, à avoir le cœur obéissant et soumis aux autorités au point où nous allons respecter tous les gestes et toutes les restrictions données, Seigneur Dieu, par le gouvernement. Merci pour la paix, la stabilité, la sécurité. Seigneur, rétablis, guéris tes enfants l'un après l'autre selon la liste qui est tellement longue. Nous les recommandons tous en te sentant que toute la gloire te revienne. On a ton fils Jésus, notre Seigneur, sur lequel nous avons ainsi prié. Amen. Alors, rapidement, frères et sœurs, le calendrier de l'Église. Déjà, samedi 3 juillet, le samedi 11, tous les serviteurs de culte vont se retrouver au bureau de l'Église à partir de 8h pour une nouvelle session. Nous allons apprendre, vous savez, ça fait depuis le mois de mars que nous avons appris. Nous avons besoin, mois d'avril, je dirais même que nous avons appris. Nous avons besoin de revenir encore pour rendre compte de ce que nous avons appris et même, pourquoi pas, s'exercer. Voilà pourquoi tous ceux qui font déjà la prière d'ouverture, le repas du Seigneur, la collecte, la modération, même la prédication, et même ceux qui désirent apprendre à faire toutes ces choses, eh bien, rendez-vous le 3 juillet à 8h au bureau de l'Église pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, la première tranche de la collecte spéciale, c'est déjà le 27 juin courant que nous allons devoir donner notre première tranche de la collecte spéciale. Préparons-nous. Je sais que nous sommes en train de nous préparer. Il y a ceux-là qui se sont préparés depuis le début de l'année, et c'est une bonne chose. Et le dimanche qui vient, frères et sœurs, dans la joie, nous allons devoir donner à Dieu. Préparons-nous. Peut-être la question, comment donner la collecte spéciale ou la première tranche, c'est simple. Tu prends ta collecte normale, ta dîme, tu la multiplies par 5, tu la divises par 2. Et la première partie,
que tu vas donner les dimanches prochains pour la gloire du Seigneur. Alors, la méditation, frères et sœurs, vous savez que nous sommes en train de méditer, et les ados, et nous les majeurs, nous sommes en train de méditer. Le défi est tout simple, c'est que nous devons vraiment mémoriser un passage biblique. C'est très important. Cette semaine, c'est, nous sommes dans Hébreux 14, 12, frères et sœurs, le passage à méditer. Et c'est très important. Alors, nous sommes à la quatrième et dernière semaine du mois. Vous savez, évangélisation type, vous l'ai dit, c'est par secteur. Alors, le programme est tracé de la manière suivante. Tous les mariés de Lukunga vont se retrouver dans leur quartier habituel. Il s'agit des Mimosa, Ozone et Asanem. Les célibataires vont se retrouver à Congolaisie et les ados à l'Académie des Beaux-Arts. Quant aux étudiants, ils vont se retrouver dans leurs sites universitaires. Alors, rapidement, les mots en bas. Le programme est devant nous. Lisons attentivement ces programmes. C'est dans cette configuration que nous allons nous retrouver pour l'évangélisation. Les billets d'évangélisation sont déjà disponibles. Et de même que la chambre, l'heure c'est 17h. Merci pour la lecture et la compréhension. Frères et sœurs, les horaires de nos cultes, voulais-je dire. Alors, Changu et Moamba se retrouvent chaque dimanche matin à partir de 9h au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue pour leur culte dominical. Et aussi à Lukunga, les frères et sœurs se retrouvent déjà à partir de 9h30 au complexe scolaire Anwarité sur l'avenir des forces armées au commandement pour leur culte aussi dominical. Mais tout cela se fait dans le respect de gestes barrières. Nous insistons. On ne vient pas au culte de n'importe quelle manière. Nous venons au culte en respectant scrupuleusement le geste barrière. La troisième vague est très dangereuse. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez nous suivre nos cultes virtuels chaque jeudi à partir de 18h dans vos maisons, mais aussi dans nos partages bibliques. Et nous rappelons que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h du matin. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur l'Église du Christ International de Kinshasa ou de la RDC d'une manière générale à travers YouTube, nos messages audiovisuels sur Facebook, sur WhatsApp, mais aussi les transcrits de l'essentiel du message. Vous pouvez aussi consulter notre site icocrdc.org ou notre bibliothèque. Et profitons du site de l'Église pour avoir plus d'informations sur l'Église de Christ. Nous encourageons, frères et sœurs, nous encourageons à donner notre dîme, notre collecte, frères et sœurs. C'est très important. Et toutes les offrandes, d'ailleurs, selon Exode 35, verset 29. Le passage par rapport à ces aux dons, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu veux que Dieu t'aime, si je veux que Dieu m'aime, je dois donner avec joie. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs. Nous allons laisser place au message qui va être prêché par l'évangéliste principal, Moses Kalala. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre service de ce soir. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Mais avant de partager le message de ce soir, baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci pour ce grand privilège que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence. Père, nous voulons te dire merci de tout cœur du fait que Dieu, c'est toi qui as permis cette occasion et que Père, tu as un message formidable pour tes enfants. Ma prière, c'est que Dieu, tu nous utilises et que tu fasses taire notre intelligence, afin que ta volonté seule et seule ta volonté soit dite et prêchée ici pour encourager ton peuple. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Père, encourage-nous, c'est dans le nom puissant, précieux Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Alors, ce soir, nous avons quelques textes que nous allons partager rapidement. Et sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 2, dit ceci. On doit nous considérer comme des serviteurs du Christ, responsables chargés de faire connaître le mystère de Dieu. Et finalement, ce que l'on demande à de responsables, c'est d'être fidèles. Alors, je voulais prendre pour thème de mon message ce soir, un chrétien responsable.
Alors, vous comprenez que depuis l'aube de temps, Dieu a toujours voulu nous voir responsables. Dieu a voulu nous voir des enfants responsables, des enfants qui prennent de responsabilités, des enfants qui assument, des enfants qui sont capables de rendre compte à Dieu. Voilà un peu ce qui est très important, parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir aujourd'hui que le mot la responsabilité devient une qualité formidable. Parce que si nous partons pour définir la responsabilité, nous allons comprendre que la responsabilité, c'est une qualité de cœur que notre Dieu aimerait voir dans la vie de chacun de nous, bien sûr, mais c'est le respect des obligations et le fait de rendre compte de nos paroles, rendre compte de nos pensées, rendre compte même de nos actes. Donc, un chrétien responsable respecte ses obligations. Un chrétien responsable fait attention à ce qu'il pense. Un chrétien responsable fait attention à ce qu'il dit. Un chrétien responsable fait attention même à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il devra rendre compte un jour devant le Seigneur. Donc, nous devons faire attention. La responsabilité devient beaucoup, beaucoup plus intéressante. Nous ne pouvons pas vivre notre vie sans savoir réellement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, on aimerait bien que chaque chrétien comprenne cela très bien. Dieu, même quand nous regardons dans la Bible, Dieu voulait que Adam et Ève soient responsables dans le jardin d'Éden. Dieu voulait que Caïn soit responsable de son frère Abel. Et même quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, Dieu voulait que Israël soit responsable. Et vous voyez, dans toutes ces choses, dans tous les deux, trois cas que je vais les citer tout à l'heure, il y a des obligations que Adam et Ève devraient vraiment assumer. Il y a des obligations que Caïn devrait assumer. Il y a aussi des obligations que Israël devrait assumer. Mais le triste tableau, c'est de voir que dans tous les trois cas, que ce soit Adam et Ève, Caïn vis-à-vis de son frère Abel, et même Israël, de ses obligations de connaître Dieu, de le faire connaître. Et nous trouvons que, dans tous les cas, les gens ont failli à faire ce que Dieu attendait d'eux. Dieu veut nous voir, en tant que chrétiens, devenir aussi responsables vis-à-vis de nos obligations. Vous voyez que la vie chrétienne est formidable. Mais non, ça devient un peu plus dangereux quand on est chrétien irresponsable et que nous avons des obligations. Beaucoup de personnes dans la vie chrétienne, nous vivons comme si nous sommes des chrétiens sans obligation, comme des chrétiens sans devoir, comme des chrétiens sans des choses. Vous savez, Dieu, en nous sauvant du monde, il y a des attentes, il y a des choses qu'il veut nous voir faire. Maintenant, quand nous arrivons à un niveau où nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités ou nos obligations, nous devenons de plus en plus semblables à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous venons de plus en plus semblables à Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Et nous venons de plus en plus semblables à Israël vis-à-vis à la grande responsabilité qu'il avait de pouvoir aider d'autres nations à connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre maintenant? C'est que Dieu nous a tellement fait du bien. Dieu nous a tellement mis dans des conditions formidables pour que nous soyons responsables. Quand nous lisons par exemple Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 5. Et ce passage est formidable. Je n'ai pas le temps de lire ça. Le temps me fait défaut. Mais je voulais vous montrer simplement que c'est une parabole qui nous parle de la vigne de l'Éternel. La Bible nous dit clairement que Dieu avait sa vigne. L'Éternel avait sa vigne. Et l'Éternel a fait tout ce qu'il faut faire pour cette vigne, pour que la vigne soit dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que l'Éternel n'a pas fait? Si nous lisons le contexte, vous allez voir que Dieu a bien arrangé. Il a rangé le sol pour que la vigne porte du fruit. Il a mis de l'eau à cette vigne. Il a rangé tout. Il a même mis la clôture pour que la vigne soit protégée contre les prédateurs, comme des bêtes qui peuvent venir brouter la vigne. Mais vous voyez, dans toutes ces conditions, que la vigne a été placée par l'Éternel, mais la vigne n'a pas porté du fruit. Et pourtant, Dieu maintenant, il est en train de nous demander de juger cette affaire. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait à ma vigne? Mais pourquoi est-ce que la vigne n'a pas porté des fruits qu'elle devrait porter? Vous voyez que le Seigneur s'intéresse à nous. Il nous met dans des conditions formidables pour que nous soyons responsables et que nous respectons nos obligations. La vigne n'a pas respecté ses obligations. Mais Dieu a respecté ses obligations vis-à-vis de la vigne. Et c'est la même chose que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. La fidélité fait partie de ses attributs, ça fait partie de ses qualités de cœur.
Parce que Dieu va toujours assumer, Dieu va toujours faire ce qu'il a promis qu'il va faire pour nous. Mais c'est de notre côté qu'il y a de la faille. C'est nous qui refusons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors aujourd'hui, le message va nous aider à comprendre que nous n'allons pas fuir notre responsabilité. Nous n'allons pas être irresponsables. Quand nous regardons depuis le jour où nous sommes convertis jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que nous sommes en train de faire le pourquoi, le Seigneur? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Mais Dieu nous a sauvés pour le connaître. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons capables de le faire connaître aux autres. Voilà pourquoi je voulais me poser une question, ou nous poser la question tout de suite, que la responsabilité commence avec notre relation avec Dieu. Quand tu commences à prendre au sérieux ta relation avec Dieu, parce que ça fait partie de nos obligations, il faut qu'on ait une très bonne relation avec le Seigneur. Et cette relation avec Dieu consiste dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est sur notre cœur? Comment est-ce que nous vivons? Nous avons aujourd'hui du temps formidable de méditation que l'Église a mis à notre disposition. Est-ce que nous sommes en train de méditer, en train de lire la parole de Dieu? Or que nous savons que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Et si cette parole n'est pas dans notre cœur, il nous sera très difficile de voir notre foi s'épanouir et notre foi arriver à la maturation, capable de porter des fruits qu'il faut. C'est ça connaître Dieu. On ne pourra jamais connaître Dieu si nous n'avons pas un contact permanent avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole, les Écritures qui révèlent Dieu. Comment ça va notre vie de prière? Nous sommes dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et c'est dans le royaume, c'est lui qui est le roi et nous sommes des sujets. Comment vivre dans un royaume et ne pas avoir une relation avec le roi? Et le seul moyen que la Bible nous donne d'avoir la relation avec le roi, c'est à travers notre intimité avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole de Dieu. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, il avait des moments formidables de prière avec Dieu. Quand nous lisons Marc chapitre 1 verset 35, la Bible dit que quand tu faisais encore nuit noire, Jésus pouvait sortir et passer des moments formidables dans la présence de Dieu. Il ne pouvait pas commencer sa journée sans cette connexion avec son Père. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, la Bible nous demande d'avoir cette connexion, cette relation avec Dieu pour que notre vie soit formidable. Nous ne pourrons jamais porter du fruit si nous ne sommes pas connectés à la source de l'énergie, à la source de la puissance et de force. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir réaliser ce que nous pouvons faire. Mais voilà pourquoi la Bible nous encourage d'avoir cette relation avec lui. Et notre relation avec Dieu va aussi de notre ouverture. L'ouverture, parce que nous savons ce qui bloque notre marche, ce qui handicape notre relation avec Dieu, c'est le péché. Mais c'est vrai, le péché peut nous toucher d'un moment à l'autre. Est-ce que nous sommes assez ouverts pour parler, confesser nos faiblesses, pour qu'on nous aide? Nous avons besoin de demander de l'aide. On ne peut pas vraiment se bloquer, se fermer. Du coup, je ne vais plus parler de mon cœur. Et jouer à ces jeux, c'est donner l'occasion à Satan de nous détruire. Il faut qu'on décide d'être ouvert avec notre vie. Le désir de pouvoir changer aussi. Et si le but n'est pas simplement de confesser le péché, mais le problème, c'est que je suis ouvert avec mes luttes. Je suis ouvert avec mes manquements et mes péchés. Mais jusqu'où je suis capable d'aller pour changer ma vie? C'est important, frères et sœurs. Sinon, nous allons tout de suite aller de l'avant, retourner en arrière. Ce que nous avons besoin, c'est de comprendre que si j'ouvre mon cœur, que je me confesse, je prends la décision de changer ma vie. Et cela va consolider notre relation avec Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas arriver à bâtir la famille de Dieu. Parce que l'une des grandes responsabilités que Dieu nous a données en tant que chrétiens, c'est ça, de bâtir la maison de Dieu. Les chrétiens sont appelés à bâtir la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir la maison de Dieu si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu. Alors, avoir, c'est lancer dans la construction du temple de Dieu, c'est commencer d'abord par bâtir notre relation avec Dieu. C'est la fondation. À ce moment-là, nous allons avoir des capacités et des atouts possibles pour pouvoir bâtir la maison du Seigneur. Notre relation d'abord. Maintenant, pour bâtir la maison de Dieu, nous ne pouvons le faire que par la participation aux activités de l'Église. Vous savez, à chaque fois que nous restons à la maison, à chaque fois que nous avons le culte de mi-semaine et que nous n'avons pas le temps de participer à tous ces cultes pour apprendre, nous sommes en train, d'une manière, en train de détruire la maison de l'Éternel. Je voulais vraiment nous encourager à comprendre que l'obligation
L'une des obligations que le Seigneur nous accorde, c'est de bâtir sa maison, bâtir son temple. Et commençons par bâtir ce temple par notre relation avec lui. Et bâtissons aussi par la participation aux activités de l'Église, comme le culte de dimanche, comme la discussion biblique, comme le culte de mi-semaine. Tu vois, à chaque fois que je m'absente, à chaque fois que je ne suis pas avec mes frères et sœurs, c'est que je suis en train de détruire le temple du Seigneur. Je vais bâtir la maison de l'Éternel en participant aux activités de l'Église, en partageant ma foi avec les autres. Partageant ma foi, ça dit, je suis sauvé, c'est pour sauver. Le Seigneur ne s'est pas trompé à ma plan. Je suis le choix de Dieu. Dieu sait pourquoi il m'a choisi. Dieu sait pourquoi, avec mon expérience et mon témoignage, ma vie que je passais. Et c'est de ça que j'ai besoin de dire aux autres, comment est-ce que Dieu m'a transformé, m'a changé. Frère, nous ne savons jamais quel impact notre vie, notre témoignage va avoir dans la vie des autres. Nous devons prendre le courage de sortir, d'ouvrir notre bouche et de ne pas nous taire. De dire aux autres ce que Dieu a pu réaliser dans notre vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu a changé nos mariages, Dieu a changé nos vies, Dieu a transformé nos enfants. Et notre même vie est devenue quelque chose de formidable. Aujourd'hui, les défauts des caractères du passé, Dieu est en train de nous modeler, de nous transformer à travers la formation. Et nous devons avoir le courage de dire aux autres que Dieu nous a transformés. Je vis dans la Bible, l'homme qui a été converti, l'homme qui a été transformé, guéri par Jésus. Bien qu'on lui avait dit de ne pas aller parler de ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit qu'il est parti dans le décapole, annonçant la bonne nouvelle, dire aux gens ce que Dieu a fait dans sa vie. Qu'est-ce qui l'a poussé de le faire? C'est la reconnaissance. Soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait dans notre vie et partageons. Aidons les autres à connaître Dieu, c'est très important, frères et sœurs. Nous sommes vraiment engagés à bâtir la maison du Seigneur comme Paul l'a fait. Paul a pris la décision, il s'est engagé. Nous avons, si vous lisez les Épîtres, vous allez voir comment ce monsieur, avec sa détermination, son engagement, il a voyagé dans des villes et des villes aujourd'hui pour bâtir la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas mettre ni sa famille, ni sa carrière, ni ses activités, ni sa vie au devant des obligations que le Seigneur lui avait données. Mais malheureusement pour nous aujourd'hui, il y a ceux qui ont placé leur famille devant les obligations que le Seigneur les a données. Il y a les gens qui ont passé leur carrière devant les obligations que le Seigneur les a données. Il y a les gens qui ont passé les études, même leurs activités personnelles, même les affaires, avant bien sûr les obligations. Mais le Seigneur nous encourage honnêtement de respecter nos engagements, les obligations que le Seigneur nous a données en nous sauvant. Il ne nous a pas sauvés par hasard, il savait pourquoi il nous a sauvés. Mais il veut qu'on change, il veut qu'on soit des hommes et des femmes responsables. Les hommes et les femmes responsables sont des personnes qui respectent des obligations et des gens qui sont là, capables, qui font attention à ce qu'ils pensent, ce qu'ils parlent et ce qu'ils disent pour que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre culte, mais laissez-moi remercier d'abord le pasteur Moses Kalala, évangéliste Moses Kalala, pour ses messages sur la responsabilité qui nous rappelle que nous devons être responsables. Et nous remercions aussi tous ceux-là qui ont rendu possible ces cultes virtuels. Nous pensons à la chorale, aux intervenants, à l'équipe technique. Et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration, vous qui, pour la première fois, nous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes et prions. Père éternel, merci. Merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ces cultes virtuels, Seigneur. Merci pour le message. Tu nous as rappelé, Papa, que nous devons être responsables. Oui, nous devons être responsables dans notre agissement, dans nos paroles, dans notre comportement, dans toute notre vie en tant que chrétien, Seigneur. C'est à quoi tu nous appelles. Merci pour les prédicateurs du jour. Merci pour chaque intervenant, Seigneur. Merci même pour le frère, le visiteur, ceux-là qui, pour la première fois, nous ont visités à travers ce culte virtuel. Merci pour le retour de ceux-là qui se sont déplacés, Seigneur. Nous te prions de nous aider, d'être ensemble, de respecter tout le rendez-vous la semaine, et si tu permets que les dimanches nous nous retrouvons encore dans nos sites habituels pour un culte virtuel, Seigneur, ton nom sera glorifié. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu au nom puissant glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs. Bonne soirée
et à la prochaine diffusion. Merci.